Ça, c'est la cabane principale du festival. Donc, c'est une cabane, c'est carrément un chalet. Les musiciens jouent à l'intérieur, le public est ici, sur la place Émile Gamelin. Eux sont au chaud, nous, on est au froid, mais on s'habille. Notre porte-parole qui va être le Marat Tremblay vendredi pour l'ouverture, suivi de La Bronze, qu'on adore, et Valère aussi, qui risque de mettre le party pas mal. Le lendemain, samedi le 2 décembre, Michel Pagliaro qui vient, full band, ça va être incroyable. Xavier Caféine et autre chose, c'est Lucien Francoeur et Michel Pagliaro sur la même scène, ça risque d'être quelque chose. On a une soirée drag queen, une soirée avec Croy, Chachou, Soran. Louis-Jean Cormier est là le 15 décembre. La Loge des artistes, en fait, c'est une maison des Îles-de-la-Madeleine qui a été retapée, puis c'est vraiment une des choses importantes pour Noël dans le parc, c'est de faire vivre aux gens comme s'ils étaient dans un village carrément. Donc, toutes les installations sont pensées et faites en fonction de on se retrouve dans un village. Donc, ici, on a la serre des Jardins Gamelin. Nous, pour l'hiver, on a décidé de l'aménager un peu pour vraiment l'intégrer à nos décors. C'est une ancienne cabane à pêche des années 1600 qu'on a retapé un petit peu aux couleurs de Noël. Puis, ça nous sert en fait au Père Noël. Il vient s'installer ici sur sa petite terrasse avec sa chaise. C'est sur roue. Donc, on peut la bouger, l'amener où on veut. Là, on l'a mis sur la place Émilie-Gamelin. Ça se peut que pendant le mois, elle se retrouve ailleurs.